Félicitations! Vous avez pris la décision d'améliorer votre santé et votre vie. Voici quelques conseils sur la façon de préparer votre arrivée avec nous. Ce qu'il faut apporter, ce qu'il ne faut pas apporter et quelques renseignements sur votre arrivée. Votre nouveau régime sera composé d'une variété de germinations, salades, de délicieux pâtés, de jus verts et de jus d'herbe de blé et de tisane. Quelques semaines avant votre arrivée, essayez de supprimer ou tout au moins de réduire votre consommation de viande, de produits laitiers, de café, de boissons gazeuses, d'aliments cuits et transformés. Cela facilitera beaucoup votre adaptation à cette nouvelle alimentation. Les aliments de l'extérieur ne sont pas autorisés sur le site. Cigarettes, alcool et drogues à usage récréatif sont interdits, alors s'il vous plaît, n'en apportez pas. Si vous prenez présentement les médicaments sur ordonnance, apportez-en suffisamment pour toute la durée de votre séjour. N'arrêtez pas de prendre les médicaments que vous prenez actuellement. Vous pouvez également nous faire parvenir un résumé de vos dossiers médicaux. Cela nous aiderait grandement à réaliser votre évaluation. Vérifiez le météo avant votre séjour à l'Institut Hippocrate. Il fait généralement doux dans le sud de la Floride pendant les mois d'hiver. Nos mois les plus froids sont de novembre à mars. Il peut faire froid aussi, alors apportez des vêtements chauds comme une chandail léger ou une veste et un pantalon long. Nos mois les plus chauds sont généralement de juin à septembre, alors assurez-vous d'apporter des vêtements confortables, faits de coton ou de lin, et évitez des vêtements synthétiques qui peuvent être désagréables à porter lors des températures tropicales. Il est important d'apporter un parapluie pliant et une paire de sandales en caoutchouc. Cela vous permettrait de vous déplacer même sous la pluie. Avoir un chandail léger est toujours une bonne idée parce que nos bâtiments climatisés peuvent être frisqués. N'oubliez pas vos vêtements d'exercice tels que chaussures de sport, maillot de bain ainsi qu'une tenue plus chic pour votre graduation. Nous avons une petite buanderette et nous fournissons le savon biologique. Apportez une petite valise supplémentaire parce que vous allez sûrement retourner avec plus de bagages qu'à votre arrivée. Vous pouvez également apporter un magnétophone pour enregistrer les conférences et un appareil photo pour immortaliser vos moments préférés et vos nouveaux amis. Par contre, nous ne permettons pas l'enregistrement vidéo sur notre campus. Nous vous prions d'apporter des produits biologiques pour les soins du corps, tels que shampoing, savon, dentifrice et crème solaire. Si vous utilisez actuellement des produits non bio pour votre corps, sachez que la grande majorité de ces produits sont fabriqués avec des ingrédients pétrochimiques toxiques et devraient être bannis à tout jamais. Si vous n'avez pas le temps de magasiner pour ces choses avant de venir, ne vous en faites pas. Nous avons une très belle variété de ces produits dans notre magasin. Il est important de noter que nous sommes un campus sans parfum. Cela signifie que nous vous demandons de ne pas utiliser de produits parfumés lors de votre séjour. Plusieurs de nos invités souffrent des sensibilités chimiques et ils peuvent être affectés gravement s'ils sont exposés à ces odeurs. L'inscription est entre 11h et 14h le dimanche de votre arrivée. S'il vous plaît, apportez tous les formulaires que vous ont été postés ou envoyés par courrier électronique lors de votre réservation et présentez-les lors de l'inscription. Votre première rencontre de dimanche est l'orientation à 15h. Si vous ne pouvez pas arriver à temps pour cette importante réunion, nous vous suggérons d'arriver une journée plus tôt, soit le samedi, et de passer cette première nuit à l'auberge voisine. Cela vous permettra d'être reposé et détendu pour votre première journée de programme. Si vous le désirez, votre consultant peut vous aider à planifier ces arrangements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre service. Thank you.